Coucou mes choubidous, je reviens pour quelque chose de bien précis. En fait, en ce moment, il y a le coronavirus. Et là, je viens d'entendre à la télévision que le coronavirus avait fait des victimes et des morts en Italie. Et du coup, la personne qui est morte à l'hôpital a contaminé effectivement des personnes qui étaient à l'hôpital, a contaminé des personnes, ses collègues de travail. Parce qu'apparemment, c'est un collègue de travail à lui qui est parti en Chine, qui est revenu. Et son collègue l'a attrapé. Voilà, bon, je n'ai pas trop compris, mais il faut voir dans les actualités. Et du coup, je me pose la question, juste une question, est-ce qu'il faut, oui ou non, mettre un masque? Moi, je me pose cette question et sincèrement, je me demande si je ne vais pas le faire. Parce que, en plus, ils disent maintenant, est-ce qu'on nous cache des choses? J'en sais rien, c'est pas une psychose, c'est tout simplement que là, il y a des faits réels et ça commence à être un petit peu inquiétant parce que c'est quand même en Italie. La dernière fois, j'ai vu dans le bus une femme avec un masque, j'étais choquée. Mais en fait, je me demande, il faut pas être choquée, je crois. Je crois qu'on fait ce qu'on veut et puis si on veut mettre un masque pour se protéger, ben mettons-le, pas un masque de beauté, un masque quoi. Donc, je vais peut-être m'en acheter un. Une grosse boîte, parce qu'il en faut un par jour. Je vais m'acheter une grosse boîte de masques et je pense que je vais mettre le masque. Voilà. C'est bête à dire, mais quand on est fragile, voilà, moi j'ai de l'asthme et tout, et puis ils disent que les personnes de plus de 50 ans sont plus fragiles que d'autres. Donc, allons-y, hein, je vais le faire. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bêtise, c'est une psychose, ou si tout simplement, il faut quand même se protéger parce qu'on ne sait pas où va ce truc, quoi. Voili voilou, écoutez, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez là. Et puis, surtout, actionnez la petite cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Et j'aurai une méga surprise à vous annoncer, je vais vous la dire lundi. Une grosse, grosse méga surprise. Sur ce, je vous laisse, je vous dis I love you, je te quiero, ti amo, bye bye.